faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré ce 7 août 2019 sur l'ensemble du territoire national. À Bazéré, dans le département de Saint-Fra, les populations se sont fortement mobilisées pour témoigner leur attachement à la Côte d'Ivoire. Ce 59e anniversaire a été l'occasion pour le sous-préfet de Bazéré de donner un bref aperçu des réalisations du gouvernement ivoirien dans sa circonscription. Depuis mon affectation ici, le gouvernement n'a cessé de veiller le bonheur des citoyens. En effet, plusieurs actions ont été menées à divers niveaux. Sur le plan de la sécurité, nous avons accueilli un détachement de la brigade de la gendarmerie de Konofla afin de freiner le grand banditisme. Sur le plan économique, la situation de Bazéré a vu installer la société Cofibal. Nous avons également la réalisation des projets d'addition d'eau potable depuis Tchèbondougou jusqu'à Galiwa, projet en cours de réalisation pour la société Razen. Les lotissements en cours pour faire de Bazéré une cité renommée et d'avenir. L'électrification prochaine de 3 villages pour le mieux-être. L'ouverture du collège modèle qui, à ce jour, a présenté sa première promotion au brevet d'études du premier cycle EPC avec un taux de réussite de 43,22%. Le centre de santé, doté d'une ambulance fonctionnelle et une rénovation pour présenter un meilleur plateau technique. Pour le représentant du chef de l'État, le développement de la sous-préfecture de Bazéré réside en la cohabitation pacifique. Cette ambition ne peut se réaliser sans l'amour, l'entente et la paix entre notre population. C'est pourquoi Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, invite chacun à s'engager dans la voie de la paix pour une cohésion sociale vraie, gage une réconciliation d'un développement et d'une émergence à l'horizon 2020. Je voudrais, pour finir, inviter toute la population à œuvrer dans la voie de la cohabitation pacifique et à utiliser le bon ton à l'orée des prochaines élections de 2020. Plus qu'un simple anniversaire, les 59 ans de la Côte d'Ivoire marquent la maturité culturelle de la sous-préfecture de Bazéré. Nous avons l'union des femmes argileuses de Gouro, les coopératives des femmes du Vivier, bien sûr, celles qui ne dorment pas, qui m'appellent. Oui, les braves femmes de Kwame Nkrumah, une association aussi dynamique que nous le menons. Qui réside dans la sous-préfecture ici, sous le chef-lieu. L'association Bolivar, que je vous demande d'applaudir également très fort. Il va faire son passage à présent. Et il va dire au territoire. Kadi de Guédé, Kamon. L'association OEE de Morocco, l'association Bonkaye, des femmes que nous adorons. L'association des femmes agricultrices de Tchèque-Rotoukou,
Des tisserands qui est superbement habillé, monsieur le président de la localité, partout dans Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Alors, cette association nous apporte ici le touriste se défilé. Merci, les frères. Yeah.
59 ans parsemés d'épines et d'embûches, les populations de la sous-préfecture de Bazéré croient cependant en l'avenir. Pour elles, la consolidation des relations entre les communautés ethniques conduira inéluctablement la Côte d'Ivoire à une paix durable pour un développement harmonieux. Depuis que la Côte d'Ivoire a cédé à l'indépendance en 1960, le président Félix Houphouët-Boigny, toujours l'indépendance, s'apprend dans la sous-préfecture de Bazéré, vraiment dignement, proprement. Et la fête a bien réussi. Notre président, son excellence, M. Alassane Ouattara, nous a toujours dit. Nous prenons la paix. Nous voulons que la paix règne dans la sous-préfecture de Bazéré. Que la paix règne dans toute la Côte d'Ivoire. Merci. Je suis né le 5 juillet 1960. Donc, j'ai dit que j'ai apporté le bonheur à la Côte d'Ivoire parce que je suis plus âgée qu'elle de 32 ans. Donc, c'est ma belle petite soeur. Donc, chaque fête, je me retrouve le jour de ma naissance. La fête a été très belle. L'organisation. Et vraiment, ce qui m'a plu, c'est les anciennes choses que les gens ont pu nous montrer, le passé. Donc vraiment, ça a été une très belle fête. Merci. Les premières impressions sur la mobilisation populaire autour de cette fête, toute la communauté est représentée avec des danses, avec le défilé. Donc ça, c'est une joie totale. C'est la population s'est réjouie autour de cette fête. Ensuite, le message donné par le représentant du chef de l'État, le sous-préfet, qui était un message de cohésion. Elle a présenté le bilan des activités gouvernementales. Ensuite, elle a appelé à l'union sacrée autour de la République, autour de la sous-préfecture, pour amorcer le développement. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans cohésion sociale, sans paix, sans entente. Alors, mon message, ça va dans le même sens que celui du représentant de l'État. C'est l'entente, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la compréhension entre les différentes communautés, la communauté autochtone et nos autres qui sont venus avec nous. Donc il y a une entente, une vision commune pour que notre circonscription administrative se développe, c'est-à-dire la sous-préfecture de Bazéré. Donc je disais 59 ans, nous remercions Dieu de nous avoir donné ce jour-là. Et comme madame le sous-préfet l'a dit, vraiment nous lançons un message de paix et de cohésion à toute la population. Nous avons été invités depuis Saint-Fra par madame le sous-préfet, donc nous sommes venus la soutenir. Donc bonne fête d'indépendance à tout le monde, dans la paix, la réconciliation surtout, parce que pour l'émergence, comme le président Alassane Ouattara le prône, pour l'émergence de 2020, nous avons besoin de tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.